c'est bon, moi je suis prêt. Aujourd'hui les nouveaux-nés naissent avec la télé 4K. Les cassettes et les VHS sont du temps de leur papa. J'y crois pas, je prends un coup de vieux quand je pense que je pourrais être papa. Avoir la neige sur la télé, certains ne comprendraient même pas. Pour voir un film, fallait louer et se déplacer en bas de chez soi. Maintenant il y a le streaming, on peut tout faire facilement, illégalement parfois, mais bon, j'ai dépensé tellement d'argent. J'ai connu deux millénaires et ça m'a millénaire. Ni bien dans l'un ni bien dans l'autre, quelle est ma place dans l'univers? On a dû subir les réformes, redéfinir les normes. Internet et les réseaux dans nos vies prennent une place énorme. Je me sens pas mille, encore moins 2000. Dans quelle époque je suis tombé? Entre la ville et la famille, j'ai eu du mal à m'adapter. Je suis comme un petit maillon de la chaîne de l'évolution. J'avance oui mais à tâtons, aucune idée de la direction. On a essuyé les plâtres, on a eu tous les records à battre. La technologie nous a littéralement pliés en quatre. À quoi on sert dans l'espace-temps? Pourquoi c'est à nous de faire les changements? En tout cas j'espère que dans 20 ans on aura fait quelque chose d'important. Y'avait pas de rétro-éclairage. Si tu voulais jouer le soir, fallait des lampes pour voir dans l'or. Maintenant y'a tout sur ton écran. D'ailleurs ils sont de plus en plus grands. Ils ont même inventé des jeux où tu peux rentrer dedans. Et si ça bug sur l'iPod touche, plus besoin de souffler dans la cartouche. Et si les câbles sont encombrants, tu peux te connecter en Bluetooth. Génération XYZ, y'aura quoi après? On a fini toutes les lettres qu'il y avait dans l'alphabet. Même à l'école tout a changé. T'as ton smartphone au CP. Devant le collège on m'a demandé si j'avais des feuilles au CB. 2020 ça va trop vite, dites-moi c'est quoi la suite? Sous assistance automatique, est-ce que nos enfants seront bioniques? On a essuyé les plâtres, on a eu tous les records à battre. La technologie nous a littéralement pliés en quatre. À quoi on sert dans l'espace-temps? Pourquoi c'est à nous de faire les changements? En tout cas j'espère que dans 20